Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Armstrong. Donc on joue ensemble à Last of Us 2, c'est la deuxième vidéo, donc on s'était arrêté dans l'écurie dans la première vidéo. Donc je tenais à souligner que j'ai enlevé la fameuse voix, là, la synthèse vocale, donc j'ai réussi à l'enlever. Et je me suis rendu compte que la toute première vidéo, vraiment le son du jeu, il est vraiment très faible. Donc j'ai regardé, pourtant tout est au taquet. J'ai été sur des forums, donc il y a des réglages à faire, mais bon, j'ai pas trouvé. Donc, ce que je vais faire, c'est que bah, j'ai éloigné un peu mon micro, donc j'espère que ça fera effet. Et au montage, j'essaierai de mettre le son de la vidéo à 200%, donc pour qu'on entende mieux le jeu. Mais j'espère que ça rendra, parce que là, je vois pas comment il faut faire. Bon, on entend quand même le jeu, mais c'est pas énorme. Donc sinon, bah, vous mettez le son au taquet. Mais bon, le problème, c'est que vous entendrez ma voix, je pense, beaucoup trop fort. Donc c'est un petit peu chiant, mais bon. On entend le jeu quand même, mais c'est pas énorme. Très bien, donc on va continuer le jeu. Donc, pour les gens qui me connaissent, je passe le bonjour à tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. N'hésitez pas à liker, à commenter. Et pour les nouveaux venus, bah, si la chaîne vous intéresse, si vous aimez la vidéo, la petite cloche de notification, un petit pouce, lâchez-moi un commentaire. Et voilà, ça serait super sympa. Donc allez, on est parti pour la deuxième vidéo de Last of Us 2. Donc on a le monsieur qui nous attend depuis un petit moment, qui nous regarde. On va s'approcher vers le Ça, c'est cheval. mon cheval. Regarde qui est là. Merci. Allez, c'est bien. Salut, Payette. Ah, regardez qui a décidé de nous rejoindre. Ouais. Un pour toi. Yeah. Et un pour toi. Ouvrez les portes! Donc il y a une petite histoire hein, entre les deux filles là, apparemment. On y est. Ce qu'on apprend dans vous la première vidéo. Vous suivez l'itinéraire, vous prenez des notes et vous tuez les infectés que vous croisez. Si vous tombez sur plus gros que vous, vous revenez. Pas de conneries, ok? D'accord. Allez-y. Il va peut-être y avoir un petit peu d'action. C'est vrai que la première vidéo, c'était beaucoup des cinématiques et un petit peu de visite. C'est le tout début, hein. Je pense qu'il faut le temps que le jeu se mette en route. Donc la première vidéo, je l'avais appelée le titre Prologue et Réveil. Donc là, c'était la fin du réveil, du coup. Et je pense qu'on attaque un nouveau chapitre. Je me trompe. Vu que je connais pas le jeu, je découvre. Salut. De quoi tu rêvais? J'ai dit quelque chose. Non, Mita. Tu faisais grincer tes dents. Où t'es allé? Prends ton matos. Faut que tu vois ça. Quoi? Je vais te montrer.
Bien. C'est par là. Ok. Donc, alors, soit c'est moi qui suis bête, soit c'est pas la même personne, soit elle a grandi. Encore. C'est pas marqué. C'est pas marqué tant d'années plus tard ou autre, donc je comprends pas. Quelques degrés de plus ? Non. Je sais pas, alors, à moins que c'est moi qui rêve, mais j'ai l'impression que c'est pas la même personne. Tu dois voir ça par toi. Mais non, c'est pas la même personne. Alors, petit didacticiel, on franchit les obstacles. Qu'est-ce que tu fabriques? On saute. Comme ça, tout seul. J'arrive pas à dormir. Ok. Toi non plus? Et on va vers le sud. Plus c'est joli. Et si on continuait? On pourrait filer jusqu'au Mexique. J'y ai déjà pensé, figure-toi. On pourrait aller voir la ville de Manu. Ouais. Quelque chose me dit que c'est pas aussi joli qu'il le dit. Ouais, t'as sûrement raison. J'ai un peu trop appuyé, je crois. Ok. On fait tout ce chemin dans le rond. Oui. Allez, viens. Si on continue comme ça, on sera crevés avant même d'entamer la journée. Arrête, c'est pas si loin. Dis, Mel, ça va? Elle avait pas l'air en forme ces derniers jours. Ouais, elle va bien. Je te trouve bizarre, c'est limite flippant. Je suis pas bizarre. C'est bien fait, les traces sur la neige quand même. C'est vachement bien fait. La cascade d'eau et tout, non, c'est vachement, c'est magnifique. Encore, j'ai pas une qualité, j'ai pas une PS4 Pro et j'ai pas un super écran. Donc j'ose pas imaginer ce que c'est avec une un écran avec une meilleure résolution et la PS4 Pro. Ça doit être vraiment super beau. Tu vas rompre avec Mel, c'est ça? Quoi? Non. On te rêve. T'inquiète, j'ai eu la. C'est vraiment super. C'est comme Uncharted. Pareil, celui-là, il est vraiment très beau, Uncharted 4. C'est les mêmes. Comment? Alors, là. Si t'en es capable, alors c'est les mêmes réalisateurs d'ailleurs. Oh. Yeah! On n'est pas tous aussi gracieux que toi. Pas ça. Ça va pas le faire. Ça va aller. Voilà, faut pas tomber là. Vas-y. Oh merde! C'est pas moi. Regarde-moi. Abby. Ne regarde pas en bas. Ah oui, c'est Abby. C'est bien ce qu'il me semblait. Faudra repasser par là, au retour. Dis-toi que c'est l'occasion de vaincre tes peurs. Tu sais où tu peux te les carrer, mes peurs. Abby, arrête de me draguer. Gardes armés patrouillés entre la ville et l'avant-poste, par là-bas. Il y a d'autres postes de garde sur le chemin. Ils ont de l'électricité, des flingues. Ça fait beaucoup de monde. On va se débrouiller. Ok. En admettant qu'ils soient là, on fait comment pour l'atteindre? On n'a qu'à attraper un des gardes pour lui soutirer des informations. Ensuite, il faudra trouver un moyen de lui tendre un piège. Ouais, c'est ça.
Je suis sûr que ton garde sera ravi de nous filer des renseignements. Il n'aura pas le choix. Non mais tu t'entends. T'as une meilleure idée ? Qu'est-ce qui t'arrive, Owen ? Mais elle est enceinte. Oh. Ok. Mais c'est pas seulement ça. Je suis censée te féliciter. Quand les autres verront ça, ils vont vouloir faire demi-tour. On pourrait les convaincre, pas vrai? J'étais sûre que je pouvais pas compter sur toi. Abby, je veux la même chose que toi. Mais là, c'est du suicide. Hey. Arrête. On se voit à ton retour. Ok, donc là il faut faire quoi ? Donc c'est Abby. Abby. Oh là. Mini avalanche. Alors normalement, si j'ai bien compris, on va devoir trouver un garde. Est-ce qu'on peut sauter? Non. On joue que ça. On va prendre de l'élan. Ok. Allez. Pourquoi ça marche pas? Ok. Et là, je suis pas fou. Ah voilà, fallait vraiment appuyer tardivement. Bon, je répète, le jeu est magnifique. Magnifique. Bon, j'espère qu'il y aura un petit peu d'action quand même. Ok, donc apparemment, il ne faut pas aller à la glace. La glace. La neige, il y a des petits cristaux de glace par-dessus. C'est... Je sais pas si vous voyez. C'est magnifique. J'adore. Là, je suis hypnotisé par le jeu. Bon, pas que je sois trop hypnotisé non plus, parce que si je me fais attaquer, ça va être compliqué. Ok. Ah d'accord. Le coup. Je voulais faire genre discrétion, mais là, la discrétion... on repassera. Merde. D'accord, donc là il y a un cadavre. Est-ce qu'il y a quelque chose à récupérer? Oups, là je fais n'importe quoi. Alors le L2, pardon. Est-ce qu'on peut fouiller le corps? Il n'y a rien à gagner. Non, il n'y a rien.
Les gens, ils sont gelés de chez gelés. Ça me fait beaucoup. Ouais, ça fait un peu beaucoup, oui, c'est vrai. Oh, c'est trop bien fait. Sans déconner, non mais. Dégage. Non mais c'est ouf. Et je découvre ça avec vous, les amis. Je découvre ce jeu. Oh ! Vas-y, c'est quoi ça ? Je martèle le bouton comme un malade. Ah ! Ok. Ah, c'est un infecté, ok ! Ah ouais! Ah ouais! Je me rappelais plus que c'était aussi violent que ça, Last of Us. Je me rappelais plus. Ok. Oui. Non, on va peut-être pas utiliser le. Ok. Parce que j'ai peur de. Si j'utilise mon arme à feu, de rameuter tout le. Toute la team. Par contre, j'aimerais bien trouver des munitions puis des vivres. Donc je crois qu'on peut confectionner. Si je me rappelle, dans le premier, il y avait. Tout un système de craft. Mais pourquoi je fais ça? On peut pas loquer. Allez. Il est où? Mais je le vois pas. Oh là 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 là. Oh merde, mon épaule. Alors. Non. Voilà, ok. Ok, on s'est soigné. Ok. Alors, est-ce qu'on peut trouver des choses? On ne sait jamais. Ici. Non, il n'y a rien à fouiller. Est-ce qu'on peut monter? Ouais. Avant, on va faire le tour de la maison. Parce que... ouais. Non, mais je pense qu'on n'a pas le choix. Excellent. Ah mais c'est trop bien fait les amis. Bon vous le connaissez sûrement le jeu mais moi je le découvre. Sinon, on fera pas s'inquiéter que moi tout sera en retard. Vu que j'ai tellement de choses, de projets, de jeux déjà qui sont sortis depuis longtemps que j'ai envie de refaire. Donc les dernières nouveautés mais... Je les ferai 2 ans après tout le monde quoi. Eh bon c'est pas grave. J'apprécie le jeu tout au plus. Comment je fais pour sortir d'ici? Alors. Ah ok d'accord. Je sais pas s'il y a des piles pour le. Pour la lampe torche. Et du fait, peut-être que. En étant décalé par rapport aux autres. Ah des munitions. J'aurais peut-être plus de succès que ces vidéos-là. Vu que là, tout le monde fait en ce moment Biomutant, Resident Evil 8, etc. C'est peut-être un avantage pour moi de faire un jeu qui est déjà sorti que les gens auraient peut-être envie de redécouvrir. Non, mais vous êtes sérieux? Oh, merde.
trop bien. Par contre, c'est trop bien fait. C'est juste trop bien fait. Regardez-moi ça, les détails, les... Non, c'est trop bien fait. Je pense que je vais le dire 1 milliard de fois. C'est trop bien fait, c'est trop bien fait. On va éteindre la lampe. Voilà. La fâcheuse tendance de vouloir loquer les ennemis, alors qu'apparemment on ne peut pas. Il n'y a rien à récupérer ici. Donc on vient de là. Ah non, on vient pas de là. Hé hé, une cartouche. Un kit médical. Ça c'est bon. Ça c'est bon les amis. On peut pas ouvrir le dressing. Non. Est-ce qu'on peut monter? Non. Donc là c'est le jeu qui nous dit il y a une petite ouverture les amis, mais n'allez pas plus loin. Oh, c'est quoi ça? Laissez-moi deviner. Serait-ce un lecteur Sony? Lecteur DVD. La petite télé. Tout va bien. Bon, on est pas mal. Allez, on s'en va. D'ailleurs, je me trompe peut-être, mais dès qu'on pourra, qu'on sera à un moment stratégique, dans quelques minutes, on arrêtera sûrement la vidéo. J'ai pas envie de faire des vidéos trop longues. J'ai envie de faire des vidéos d'environ une demi-heure, 45 minutes, pas plus. C'est déjà pas mal. De toute façon, je peux pas faire plus d'une heure. Et plus d'une heure, de toute façon, c'est vraiment trop long. Alors. Oula. D'accord. Restez en position accroupie pour vous approcher discrètement. Ok. D'accord. Donc c'est la petite phase de combat. Mais ils ont tous des lecteurs DVD dans la chambre. Et c'est tous le même, hein, par contre. Ils sont pas... Hein, ils sont pas cassés la tête, les kikis. Hein. Ah, les vieux crânes dégueulasses. Oh. Ah, c'est sale. Ah, ça, c'est bon, ça, par contre. Allez, on se relève. Ah, est-ce qu'il y a quelque chose ici? Non. Salle de bain. Il y aurait pas un petit kit? Les toilettes. Oh. C'est pas très propre, tout ça. Bah, j'irai pas prendre un bain. Il y a deux toilettes. Ça, c'est bien, ça. Avoir deux toilettes, c'est pratique. Surtout en période de gastro. Lol. Enfin, lol, non. Parce que quand t'as la gastro, tu lol pas, généralement. On va arrêter de parler de choses sales. Et encore des munitions. Ouh là là, fais pas trop de bruit, toi. Si je pète les carreaux. Est-ce qu'on peut monter? Est-ce qu'on peut descendre? On peut descendre. Descendre doucement. Ouais. 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 Yeah. Ça, c'est bon. Bonjour. Juste abruti. Allez. Allez, crâne, c'est vraiment... C'est... Ah. C'est sale. Alors. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose? Non, ça c'est plein. Ok.
manquer. C'est vraiment super bien fait. Là, ils ont vraiment tout ce qui est détails, graphisme. Bon, il y a des pièces plus vite que l'autre, mais il y a des endroits vraiment détaillés. Ça me fait penser à des films comme... mince. 28 jours plus tard ou autre, quand les gens retournent dans les maisons. Quand c'est des contaminations et que les gens retournent dans les maisons qui sont remplies de toiles d'araignées, que les tout est moisi, qu'il n'y a plus de vie. Qu'on voit les photos de familles remplies de poussière, etc. C'est... Non, c'est vraiment bien fait, franchement. Carcasse de voiture, on voit les... Voilà, le garage à l'américaine, comme on voit dans les films. Non, c'est vraiment super bien fait. Putain, je sais pas où je suis. Ils ont géré les kikis, ils ont géré. Alors, faut aller où, là? Je pense qu'il fallait aller là, j'espère. Donc là, on a un bout de route qui est cassé. On voit les bouts de fer à béton. Là, du coup, il va peut-être falloir tirer. Oh, j'aurais pas dû. J'aurais pas dû faire ça. Allez, petite baston. Ça va, l'esquive, je gère. Ouh. Oula. Je lui ai juste fracassé la tête. Mais pas méchamment, gentiment. Par contre, je pensais trouver des munitions sur les cadavres, mais ce n'est pas le cas. On peut pas ouvrir les voitures, comme dans Days Gone. Non. D'ailleurs, j'ai 2-3 poteaux là. Deux de sûr qui sont sur Days Gone en ce moment. Donc je sais pas quand là, mes vidéos seront diffusées. S'ils seront encore sur Days Gone, j'ai fait n'importe quoi. Ah, tu veux te bastonner, toi? Boum. Je récupère un peu les munitions de fusil, du coup, parce que... Alors, est-ce qu'on peut monter? Non, on peut pas. On peut pas, très bien. Mais si, c'est pas grave. Non. Où est la route? Alors. Donc là, apparemment, on peut passer sous le véhicule. On va regarder s'il n'y a rien. On peut passer là aussi. Par contre, elle doit avoir froid, la cocotte, quand même. Je pense. Ok, donc... Allez, on va bien voir. Donc j'avais fait une micro-pause pour voir où j'en suis dans le temps, pour pas me laisser déborder. Donc on est bientôt à une demi-heure. Oh, des traces. Des traces de cheval. Très bien, donc revoici nos deux, normalement nos deux copines du début de la vidéo. Si je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça. Allez, viens. Par ici. Je te suis. Eh ben, ça tombe bien. Ça va être la transition pour arrêter cette deuxième vidéo de Last of Us 2. Donc, j'espère que ça vous plaît, les copains. Donc j'espère, je redis, j'ai déjà dit au début, mais j'espère que vous allez bien. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, à me laisser un petit commentaire. On fait un petit tour sur Ellie.
Et je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, bisous. Ciao.